Ce sont les multiples produits. Donc tous ces produits, c'est une contribution. Tous ces produits, c'est une contribution. C'est une contribution des affaires pharmaciens de Goma qui ont la pitié envers nos vaillants combattants. C'est-à-dire, ces produits, on n'a même pas débloqué, pas même un front, mais ce sont des contributions, nous dirons des contributions personnelles, des contributions individuelles. Celui qui donne bandage, celui qui donne un flacon d'alcool, celui qui donne, n'est-ce pas, une boîte de comprimés. Donc plusieurs produits sont déjà récoltés là. Et tout de suite là, certains de nos combattants. Ce n'est pas périmé, Georges. Non. Ça, non. Vérifions d'ailleurs. D'ailleurs, il y a par exemple. Ça, c'est l'expiration. Novembre 2024. Mais, par exemple, ici, c'est 2026. Il y a, donc, ce sont des produits donnés par un cœur chrétien, un cœur de shalom. Oui, vous les faites parce que vous constatez qu'il n'y a pas aucune contribution de la part du gouvernement. Non, le gouvernement fait sa part. Les citoyens. Les citoyens aussi font leur part. C'est-à-dire, ça, ce n'est qu'une nécessité seulement. Vous donnez que les médicaments, mais à manger. Donc, il faut manger ça ou bien. Non. C'est-à-dire, ils n'ont pas demandé à manger. C'est-à-dire, ils ont trouvé que. C'est-à-dire, ces produits, c'est à partir des demandes sur la ligne de front. Vous savez, sur la ligne de front, il y a plusieurs sortes de demandes. Non, vous savez, par exemple, quand on est sur la ligne de front, le médecin n'est pas sur place là. C'est-à-dire. Ils sont là avec leur catégorie de secouristes et autres choses. Même quand il y a une blessure, par exemple, vous n'êtes pas sans ignorer que, par exemple, à Kibumba, il y a des roches, il y a des pierres, des volcans. Il arrive des fois quand vous êtes en train de faire la guerre, vous faites, par exemple, les rampings sur les pierres, et vous pouvez risquer d'être blessé. Alors, avant que vous ne quittiez les lignes de front, vous êtes d'abord quand même, ne fût-ce que les premiers soins. Et ceux qui ont contribué, ce sont des Congolais. Des Congolais, des pères et des mères, résidents à Goma. Des Congolais, je ne dis pas ça distinguer les couleurs. Cette fois-ci. Non, ce sont les Congolais. Mais le travail a été effectué par les combattants de l'UDPS. Et vraiment, c'est très. Vraiment, nous disons. Population de Goma, surtout secteur pharmacie, nous vous disons merci, nous vous disons merci pour ce travail que vous venez de faire. Dieu va récompenser votre travail, Dieu va récompenser vos produits et surtout vos activités seront encore plus multiples que dorénavant. Mais Georges, jusque-là, ce sont que des médicaments. Mais la question qu'il faut essayer de comprendre. Oui. Je vois ici, il y a des bandages, oui. Il y a des cols, oui. L'alcool, tout ça et les restes. Oui. Ils ne font pas manger quand même ces bandages, Georges, pendant la guerre. Je répète. Il y a des lianos. Je le répète. Il y a des vivres aussi. Je réponds et je répète. Oui. Ça dépend de la demande qui a été récoltée sur la ligne. Mais il y a de la nourriture là-bas. C'est-à-dire, oui. Ils n'ont pas problème de nourriture. Mm-hmm. Ils n'ont pas dit qu'ils ont besoin de est-ce que ça manger. Va arriver à la destination, Georges. Effectivement, qui va? Est-ce que moi, Georges, Georges, je peux utiliser ça? Effectivement, oui. Oui. Nous devons mourir pour ce pays. Nous allons mourir pour ce pays. Bon, nous attendons les images, montrer comment c'est. Il n'y a pas de problème, mais. En ligne de front, il y a un secret. Ah. On n'avait même pas de caméra. Non, comment vous allez remettre juste les médicaments? Vous n'allez pas filmer les... Croyez d'abord nous. Mm-hmm. Nous serons là. Mm-hmm. Croyez d'abord nous. Oui. J'attends juste une photo, Georges. Il n'y a pas de problème. Il faut prendre aussi une arme et toucher un peu. Hein. Non. Ce n'est pas mon travail. C'est la guerre, Georges. Ce n'est pas mon travail. Il faut prouver déjà ici. Ce n'est pas mon travail. Vous êtes Mousalando, oui? Oui, d'une autre manière. Je ne sais pas mon travail. Ah, oui. Ok. Merci. Oui. Un message à d'autres personnes de bonne volonté qui peuvent contribuer. En fait, Congolais, partout que vous êtes,
votre contribution, elle sera la bienvenue. Même si vous soyez aux États-Unis, au Canada, en France, en Australie, au Japon, votre contribution doit être la bienvenue. Voici les enfants, imaginez les enfants de Goma sous la guerre. Non, ça c'est un produit pharmaceutique. Mais c'est écrit à des Chinois là. Oui, tous ces produits ne sont pas fabriqués en RDC. Non, c'est bon. Oui, ne faut pas quand même créer la confusion. Je répète, vous qui êtes de partout dans le monde, votre contribution est la bienvenue pour les enfants qui se donnent là, cette audace, cette courage là, d'aller faire face au Rwandais qui veut le prendre notre contrée. C'est qu'il faut prendre tous ces produits. Parce que vous savez, les motards se blessent beaucoup, ils ne font pas qu'ils utilisent ça. Hein, parce que ce sont des médicaments. Je en fait, ça, ce n'est pas. Les motards ont leur façon de faire. Des combattants motards, Georges. Nous avons des combattants motards qui vont nous amener sur les lignes de front. Merci, Georges. Mais ces produits, vraiment, je dis, pharmacie, vous avez fait votre travail. Et vous êtes vraiment des Congolais, vous venez de prouver que vous êtes des Congolais à partir de ce produit que vous venez d'octroyer. Vraiment, que Dieu vous bénisse et que Dieu vraiment multiplie là, alcool, l'activité. Il faut bien expliquer, parce qu'ils ne sont pas médecins. Non, parce qu'on est ici alcool. Justin, ils savent ça. Et parmi nos oisalènes, il y a même des infirmiers, des pharmaciens. Un infirmier avec qui? C'est un mousalène. Qui est secouriste? Il est secouriste, il est mousalène. Oui. Voilà un secouriste qui sera sur la ligne de front. Un secouriste mousalène. Oui. Un combattant de l'UDPS, secouriste. Comment il dépèse encore? Mais moi je suis enseignant. D'accord, merci. Mesdames, oui, il est secouriste. Merci Georges, on se retrouve à la prochaine fois. Et courage pour la mobilisation. Enfin, merci beaucoup Justin. Faut pas que ça. Mais venez encore demain. Combattre les mains. Non. Ça non. Ok. Non, ça il faut non. Que les gens prennent soin de ça. Parce que si l'ennemi tombe sur ça, il va publier comment ramasser. Oui, ça. Oui, il ne peut pas. Merci mesdames. Il ne peut pas. Bye, il bye. Ne peut pas. Bonjour mesdames et messieurs, merci de votre fidélité sur Congo Live. Merci parce que vous nous suivez de partout en République démocratique du Congo. Nous sommes le jeudi, nous sommes avec Moïse. Moïse, bienvenue à vous. Nous sommes jeudi 23 novembre 2023. Bonjour et bienvenue. Bonjour à vous, bonjour à tous les téléspectateurs de Congo Live Télévision qui nous suivent de partout à travers la République démocratique du Congo. Et de l'autre côté, au-delà de nos frontières, ça veut dire partout à travers le monde entier. Vous allez bien? Nous sommes en forme en Quelles tout cas. Quelles sont les nouvelles ce matin? Ce matin, tout va relativement calme à Goma. Aujourd'hui, l'opposant Moïse Katumbi sera à Goma. Il est vraiment attendu. Côté sécuritaire, il y a toujours une psychose qui démarre dans les chefs de Goma Tracien. On ne sait pas, on peut se réveiller aujourd'hui ou demain, et la situation très compliquée. Donc il y a espoir parce qu'on a suivi hier l'armée en tout cas mis en déroute l'ennemi, hein. Ce sont effectivement quelques avancées, mais jusque là on n'est pas rassuré. Ensemble ces images de publiées diffusées par les forces armées de la République démocratique du Congo, monsieur Moïse. Moïse, on a vu, en tout cas, l'armée congolaise qui a publié les images. Vue par nos drones, l'armée rwandaise transporte ses morts et blessés après la reprise par les vaillants et FARDC de la cité Tonane dans le territoire de Masisi, c'est hier mercredi. On voit sur ces images. En tout cas, comment l'armée rwandaise est en train de transporter les cadavres, hein? Effectivement, c'est quelque chose à saluer. Le FARDC aujourd'hui, qui se sont dotés des drones modernes, des drones en tout cas qui permettent à ce que l'on essaie un peu effectivement de retrouver ou du moins de visualiser les mouvements de l'ennemi. Je trouve ça comme étant quelque chose de très bon. Effectivement, on est parvenu à les retracer et à
voir comment est-ce qu'ils étaient en train de transporter leurs cadavres. Ce qui est une bonne chose, mais on n'est pas encore parvenu à vaincre cette guerre. C'est ce que nous attendons, messieurs les journalistes. Autant de choses, effectivement, pour permettre au FARDC de mettre en déroute les rebelles d'M23. Il faut multiplier ces drones, il faut chercher d'autres engins militaires qui sont ici susceptibles de nous permettre effectivement d'en finir une fois pour toutes avec la barbarie de M. Paul Kagame. Si les plans stratégiques, je crois que c'est significatif aussi, c'est une façon de montrer à Kigali que nous restons déterminés et nous allons tout mettre en œuvre pour barrer la route à son plan machiavélique. De M. Paul Kagame. Les sanguinaires, les Hitler du 21e siècle. Oh. Attends, quand vous parlez de Hitler, il y a des gens qui ne comprennent pas ça. Vous pouvez un peu nous raconter un peu son histoire. Effectivement, Hitler, ce fut un homme d'État allemand qui avait été, je vais dire, le gentleman de la Deuxième Guerre mondiale. Hitler qui avait fait de l'humanité, comment est-ce que je vais appeler? Il a fait en sorte que l'humanité perde même son sens. Il a été un monsieur, un homme d'État qui a fait trembler l'humanité, mais de manière négative. Alors, comparablement à Kagame, c'est que ce sont déjà qui font souffrir l'humanité. Ce sont déjà qui font du mal à toute l'humanité. Hitler a fait en sorte que des milliers de compatriotes à travers le monde perdent des vies à travers effectivement son esprit génocidaire et son esprit effectivement négationniste. Mais il faut rappeler Hitler quand même qui était un idéologue et un homme d'État allemand, bien sûr né en 89, il faut préciser. Tout ce que vous dites là, ça n'a rien à voir avec Kagame. Kagame, vous savez, pour certains analystes, aujourd'hui, devenir l'homme fort de la région, un homme aimé, populaire dans son pays. Je ne parle pas Kagame en tant qu'Hitler qu'on pour le vanter, qu'on pour dire juste que c'est quelqu'un qui est animé par la mauvaise foi. Donc, c'est quelqu'un qui est un inhumain. C'était la même chose avec Hitler. Et même quand on l'étudie dans l'histoire, c'est quelqu'un qui a des. Comment est-ce que je veux dire, qui a marqué l'humanité de manière négative en fait. Ça, il faut retenir. Il est possible dans la vie que vous puissiez vous remarquer négativement. Vous pouvez faire des bavures et des n'importe quoi et tout le monde va vous connaître, même ici au Congo. Mais il y a d'autres qui font quand même des choses et toute l'humanité retient effectivement de ce qu'ils ont fait. Faut-il ici vanter les noms de certaines personnes? Vous les connaissez, vous connaissez déjà comme le Mandela, le Lumumba et que sais-je, qui ont marqué l'humanité de manière positive. Vous connaissez ce que Lumumba a fait pour notre pays. Mais les gens comme Kagame, qui continuent effectivement à entretuer ses voisins, ses frères, pour des raisons, messieurs les journalistes, que moi-même j'ignore, ce sont des sanguinaires, ce sont des inhumains, on dirait qu'ils n'ont pas le sang. Est-ce que pensez-vous que cela finira un jour? Mais ça finira parce qu'il est en train de petit à petit de vieillir et je ne pense pas qu'il ait même 2 ou 3 ans sur cette terre. Oh, c'est vous qui avez dit ça. Je vous dis, sa santé physique le demande. Vous ne voyez pas l'état physique, Kagame. Ce n'est pas comme moi ici. Oh. Très mince. On dirait qu'il ne mange plus. Pourtant, un chef de l'État. Alors, revenons sur les sujets. Hier, il y a eu des affrontements. On parle que le M23 aurait pris Mweso, tout ça. Mais l'armée congolaise, en tout cas, a confirmé jusqu'à hier soir que les affrontements se sont déroulés autour de Mweso. Mais personne, les Wazalendo sont toujours dans la zone. Mais l'armée numérique, le M23, à travers d'ailleurs son communiqué, a confirmé qu'ils ont pris des gens. Ils sont déjà dans Mweso. Alors, ce qui est sûr, c'est que les affrontements s'intensifient depuis hier même. Et comme à la guerre. Comme à la guerre, c'est que on ne croise pas les bras. Nous, tout ce qui nous concerne, c'est de féliciter et d'encourager les jeunes Wazalendo aux côtés des forces armées à pouvoir ne pas baisser les bras. Parce qu'en fait, les éléments de M. Paul Kagame, les rebelles du M23, parce qu'en fait, ils sont téléguidés par Kigali. Ils sont aussi vraiment engagés à
à nous contourner. Ils sont engagés effectivement à vouloir foncer jusqu'à assiéger Goma. Ça, on connaît déjà ces plats-là. Et ce que nous devons faire tous ensemble, c'est de pouvoir nous serrer un main dans la main, pouvoir tout faire pour que ces plats-là ne puissent pas être effectivement accomplis. Et je puis vous dire qu'avec la prouesse des jeunes Wazalendo et même le FRDC aujourd'hui qui ont transcendé le fameux cessez-le-feu, il y a de quoi espérer. Nous sommes très déterminés, nous les félicitons et nous en appelons à tous les Congolais, de partout où ils se trouvent, à pouvoir aussi se mobiliser, à pouvoir solidariser avec ces jeunes. C'est une affaire de la patrie, c'est notre pays à nous tous qui est menacé et nous n'avons que le devoir sacré de pouvoir sauvegarder son intégrité. Messieurs les journalistes, nous n'avons pas peur. Cette guerre, nous allons la vaincre. Nous connaissons déjà l'ennemi, nous connaissons déjà son plat et nous connaissons toutes ses tactiques. Nous allons effectivement les contourner. Mais on a suivi Willy Goma à travers des vidéos. Il ne cesse de menacer. Comment comprendre cela? Mais ils ont toute une armée numérique telle que vous l'avez dit. Vous pensez que c'est seulement Willy Goma? Non, c'est toute une bande des aventuriers. Même sur Twitter, sur Facebook, tout comme sur Instagram et sur toutes les autres plateformes. Il y a des gens qui essaient un peu de... Ils essaient un peu de détailler des messages sur mesure comme pour créer une psychose dans les chefs de la population. Épargnez-moi ici de citer le nom, mais je vous dis, je connais plusieurs pages, je connais plusieurs aventuriers. Il y en a même des jeunes de Goma qui aujourd'hui servent ces aventuriers. Ils se sont laissés manipuler par Kigali. Donc les Rwandais investissent beaucoup de moyens dans cette armée numérique qui essaie un peu non seulement de démoraliser nos troupes, mais ils essaient aussi de vouloir créer une psychose dans la ville. Chers compatriotes de Goma, ne quittons pas Goma. N'ayez pas peur. Ce que ces aventuriers font, c'est une façon de vouloir nous déstabiliser. Comme ça, pendant que nous serons en train de nous agiter, ils peuvent maintenant assiéger Goma. C'est vraiment quelque chose sur laquelle il faut beaucoup plus d'attention, messieurs les journalistes. Je crois que le gouvernement devrait aussi, le gouvernement congolais effectivement, et nous tous, nous devrions aussi nous investir pour riposter et faire en sorte que cette armée numérique rwandaise ne gagne pas de l'ampleur ou ne parvienne pas effectivement à ses objectifs mesquins. Est-ce que pensez-vous que Goma pourra tomber, même si le président Tshisekedi a confirmé que l'ennemi n'arrivera pas à Goma? Goma ne tombera pas, ses aventuriers ne vont rien faire. Ce qui est sûr, c'est que si une fois le FRDC et même le gouvernement essaient un peu de n'aménager aucun effort pour essayer un peu de riposter contre les éventuelles provocations, je reste convaincu qu'ils ne peuvent pas arriver à Goma. Ce qui est aussi sûr, c'est que Kinshasa a déjà donné son mot d'ordre ou sa parole comme quoi Goma ne tombera pas. Mais autant qu'on privilégie Goma, je préfère bien que même d'autres compatriotes qui sont dans les Masisi et à Rutshuru se trouvent aussi sécurisés. On ne peut pas donner l'impression comme si nous qui sommes à Goma, nous sommes des super Congolais, des super citoyens, et que ceux qui sont en train de mourir à Masisi, à Rutshuru et ailleurs, ils sont des Congolais en minuscule. Je ne pense pas, c'est aussi bien de se préoccuper de ce qui se passe à Masisi. Le gouvernement doit vraiment porter son attention sur cette guerre. Ne soyons pas distraits ou distraites, chères autorités. La situation, elle est aussi pas la moindre et il faut vraiment se mobiliser. Autant que vous vous mobilisez pour les élections, autant que nous devons nous mobiliser pour la sécurisation de notre territoire. Et si le Nord Kivu n'est pas pacifié, déjà même, non seulement les élections n'auront pas un caractère inclusif, mais aussi et surtout, nous risquons de ne pas effectivement les avoir. Donc ici l'occasion pour moi d'en appeler au gouvernement à pouvoir prendre vraiment au sérieux cette question. Évidemment, il y a certains efforts qui sont déjà fournis avec certains matériels qu'on est en train de doter au FRDC. Vous aviez même évoqué cela, les drones militaires aujourd'hui à la disposition de l'armée. Mais c'est aussi important de toujours multiplier les efforts. Rebooster effectivement les stratégies, essayer un peu de déployer autant d'éléments, un effectif suffisant ici. Et avec ça, on peut espérer à quelque chose. Est très positif. Très
positif, c'est-à-dire que l'ennemi ne va pas gagner les terrains. Effectivement, il faut vraiment les pourchasser jusqu'à son dernier retranchement. Une fois tout le monde, nous sommes mobilisés. Une fois le gouvernement SMP de porter son attention à cette guerre, non pas se distraire par seulement les affaires d'élection ou que sais-je, alors qu'une partie du territoire est vraiment menacée. Est-ce que ça va finir cette histoire? Ça va finir. Tout ce qui a un début aura nécessairement une fin. Vous pensez quoi? Même nous tous qui vivons sur cette terre, un jour nous partirons. Vous pensez que vous resterez sur cette terre éternellement? Vous êtes né et vous mourrez. Les 1-23, ils sont à René et ils vont un jour passer. Nous allons les battre d'ailleurs. Nous allons vraiment les anéantir et Kagame n'oubliera cela. Les Ouassalendou, en tout cas, se disputent le contrôle de la cité de Mouesso. Les Ouassalendou, ce sont des jeunes assez cités. Ce sont des jeunes braves, ils ont quand même les tout soutiens. À fait, messieurs les journalistes. Ils n'ont pas encore un soutien considérable, en fait. Ça, il faut le dire, parce qu'il y en a qui manquent même de quoi mettre sous la dent. Ici, pour moi, l'occasion d'en appeler à tous les compatriotes. Peut-être que le gouvernement n'arrive pas aussi à satisfaire les besoins. Mais je crois que d'autres Congolais, il y a des Congolais de bonne foi. Chacun peut apporter sa pierre d'édifice pour que la sécurité revienne. Chers compatriotes, vous avez la possibilité d'appuyer ces jeunes, d'appuyer la bravoure de ces jeunes qui se donnent corps et âme, qui n'ont pas de salaire, qui n'ont pas quoi que ce soit en termes de rémunération, mais qui essaient un peu de défendre l'intégrité de notre territoire. N'hésitez pas à les soutenir, n'hésitez pas à les accompagner. C'est une affaire à nous tous, c'est notre pays à nous tous qui est menacé. Et nous n'avions que cet héritage, ce patrimoine nous légué par Lumumba. Aujourd'hui, si nous croisons les bras, si nous laissons partir ce pays, je puis vous dire que même Lumumba, dans l'au-delà où il se trouve, il ne sera pas content de nous. Mamadou, qui s'est bâti au point de perdre sa vie au prix du sacrifice suprême, sera en train de pleurer dans sa tombe et ne sera pas content de nous. Chers compatriotes, il est temps de nous lever comme un seul lion et de défendre l'intégrité de notre territoire. Soutenons tous les Ouassalendou, soutenons tous notre armée en dépit des difficultés qui sont les leurs. Ne croisons vraiment pas les bras et la victoire, elle est certaine. 3 minutes restantes, on parle d'élection. Moïse Angui, dites-nous comment vous faites votre analyse par rapport au déroulement de la campagne électorale. Le trait de la campagne électorale, il est déjà en marche. Chaque camp politique essaie un peu, en tout cas, de mobiliser. Je vous ai dit d'entrée déjà que l'opposant Moïse Katumbi sera à Goma, et le président Katumbi déjà pour aujourd'hui, et le président Tshisekedi sera à Goma le 7, c'est que le 7 décembre, effectivement, chaque candidat essaie un peu, en tout cas, de vendre son bilan. Et tout à fait, donc ça évolue, ça évolue très bien. Jusqu'à là, comment vous faites les sondages? Les sondages, c'est que au moins la balance elle est équilibrée. Et j'espère que de tous côtés, chaque camp essaie un peu de faire les meilleurs de lui-même. Le moment opportun, nous allons découvrir avec vous le vainqueur. Je n'ai pas de diagnostic à faire ici. Je n'ai pas, en tout cas, je ne peux pas me permettre à jeter de fleurs ou effectivement à jeter de l'opprobre à X ou Y personne. Mais je crois que chacun fait le meilleur de lui-même. La population attend les projets de société de chaque candidat. La population va essayer d'analyser les discours de chacun. Il y en a qui déjà font preuve de la démagogie. Épargnez-moi de citer ici les noms, mais nous les avions entendus. Il y en a qui ont promis faire la CAN pour 2024, alors que déjà c'est attribué à d'autres pays. Il y a d'autres aussi qui disent qu'ils vont effectivement remonter les budgets de la République à 2 millions, alors que ça paraît utopique. Donc, on va digérer tous ces discours et on fera le meilleur choix. Je n'appelle en tout cas tout le Congolais à pouvoir opérer un choix rationnel, un choix raisonné, pourvu que l'avenir de notre pays ne parte pas en cuir. Numéro de téléphone, nom en passant, numéro, message aux forces armées de la RDC. Soutien indéfectible à nos hommes en uniforme. Hein. Nous les appelons, les hommes en uniforme, les FARDC effectivement, nous les appelons toujours à ne pas baisser les bras. La République attend beaucoup d'eux, c'est pour ça qu'ils ont prêté serment. Les territoires
nationale, une partie alors est menacée. Et vous, nos chers militaires, vous, nos vrais militaires, le peuple n'attend que vous. C'est pour ça que nous payons le paix des taxes, le paix d'impôts, pour essayer de vous vêtir et vous donner à manger. Et de retour, vous devez nous vous offrir la paix. Plus de 143, 99, 25, 42. 946. Merci, bye bye et à demain, Moïse. Merci à vous, merci à tous qui nous ont suivis du début à la fin de cette émission.